Particularités physiques. Le berger belge malinois est un chien de taille moyenne à grande, certains mâles peuvent atteindre les 30 kg. Harmonieusement proportionné, puissant, d'allure souple et doté d'une musculature sèche, il allie robustesse, puissance et élégance. Le berger belge malinois est notamment reconnaissable à son masque s'étendant des lèvres aux paupières. Son poil, court sur l'ensemble du corps, davantage sur la tête, le revers des oreilles et les parties basses des pattes. Le cou, l'arrière des cuisses et la queue sont plus fournis. Sa couleur, fauve charbonné, poil de couleur fauve mais dont l'extrémité est noire, ombrant la couleur de base. Le masque est bien prononcé. De légères taches blanches aux poitrailles et aux doigts sont tolérées. Sa tête, rectiligne, sèche. Le museau n'est que très légèrement plus long que le crâne. Le front est plutôt aplati, le stop modéré et les joues sèches, musclées et plates. Ses oreilles, de forme triangulaire et relativement petite. Attachées et portées haut et droit lorsque le chien est en éveil. Ses yeux, en forme d'amande, de moyenne taille, oblique, brunâtre à foncé. Affiche une expression éveillée et intelligente. Son corps, puissant, harmonieux, avec une ligne du dos et du rein droite. Le garrot est accentué, le rein solide, large et musclé. La croupe, musclée, ne s'incline que très modérément. La poitrine est bien descendue et le ventre est légèrement relevé. Sa queue, épaisse à la base, de longueur moyenne, dépasse le jarret, pendant au repos et modérément relevée en action, sans dépasser l'horizontale, comportement et caractère. Le berger belge malinois est un chien intelligent, alerte et d'une grande vitalité. Affectueux et protecteur, il est excellent compagnon pour toute la famille, doublé d'un chien de garde de tout premier ordre. Il défendra son maître sans hésiter et en y mettant toute sa détermination et sa puissance explosive. Avec les enfants, il sait se montrer gai et toujours prêt à jouer. Toutes ces qualités lui valent d'être couramment utilisé par les forces de l'ordre et les armées du monde entier. Outre ses origines de chien de berger, le malinois est aussi un très bon chien de service et de performance. Agility. L'intelligence, le caractère attentif et les exceptionnelles capacités d'apprentissage du berger belge malinois facilitent son éducation. Celle-ci doit être à la fois juste, basée sur le jeu et ferme, car ce chien possède aussi une personnalité assez affirmée. La qualité de sa socialisation est aussi très importante, historique de la race. Le berger belge malinois est l'une des quatre variétés de chiens de berger belge, avec les gros Nandal, Tervuren et les Quenois, dont il se distingue notamment par son poil court et sa robe fauve charbonnée. Il descend donc des chiens bergers du pays du 19e siècle en Belgique dans la région de Malines. Le club du chien de berger belge est fondé en septembre 1891 avec le lancement des premières sélections. La variété du berger belge malinois est officiellement reconnue en tant que telle en 1909. Le standard actuellement en vigueur de la race a été établi en 2001. Santé. Le berger belge malinois est un chien robuste et rustique. Il n'y a pas d'affection propre à la race, mais la possibilité de faire face à une dysplasie de la hanche n'est jamais à écarter totalement, bien que le berger belge malinois soit relativement moins concerné que d'autres chiens de grande ou moyenne taille. Dans l'ensemble, il n'a pas grand-chose à craindre côté santé tant qu'on s'en occupe correctement. Son standard précise d'ailleurs qu'il est habitué à la vie en plein air et bâti pour résister aux variations atmosphériques si fréquentes du climat belge. Conditions de vie. Le berger belge malinois est essentiellement un chien de travail et d'activité. Il préférera la vie en campagne ou dans une grande maison avec jardin, mais pourra s'adapter à la vie en appartement s'il est fréquemment sorti.